Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point l'heure sur l'avancée justement de l'histoire d'Overwatch avec les événements qui arrivent, avec l'événement archive en l'occurrence, représailles en français ou retribution en anglais, qui fait suite en fait à... Enfin, qui fait suite. Ça arrive un an après les événements qui avaient été révélés dans Uprising. Et du coup, eh bien, on va en parler puisque c'est vrai que le format de l'avancée de l'histoire d'Overwatch est un peu particulier par rapport à du Diablo, du Warcraft, du Starcraft. Puisque Overwatch, bah, c'est du tout le temps, ça arrive, ça avance un petit peu. Donc la nouvelle BD, on va la lire ensemble. Alors je sais, ça va être un petit peu particulier, mais on va la regarder ensemble. Je mettrai bien sûr le lien si vous voulez la regarder automatiquement, enfin si vous voulez la regarder par vous-même dans la description évidemment. Mais c'est vrai que c'est la nouvelle BD d'Overwatch. J'avais prévu à la base, avec la sortie de Moira, je sais c'est pas tout nouveau, mais la sortie de Moira, je voulais faire une vidéo dessus. Le truc c'est qu'il n'y a pas eu de BD qui allait avec. Alors moi j'attendais la BD pour faire vraiment une vidéo spéciale Moira, parce que à l'heure actuelle les informations sont pas non plus ultra garnies. Pareil un petit peu pour Brigitte. Et au final pour Brigitte, il n'y a pas eu non plus de BD. Donc c'est vrai que c'est maintenant qu'on fait justement cette nouvelle vidéo. Donc on va pouvoir allez voir directement et on va lire ensemble la BD Représailles, donc où Blackwatch est à l'honneur. Donc ça se passe 8 ans avant les événements d'aujourd'hui, en tout cas d'Overwatch. Donc tout simplement un an avant Uprising, qui avait été à l'honneur, qui avait été mis à l'honneur lors des événements du secteur 0 en l'occurrence, donc avec la première mission de Tracer. Donc ça se passe un an avant. Donc, quartier général d'Overwatch, Suisse, il y a 8 ans. Donc 8 ans, je rappelle que c'était il y a 7 ans, hein, le Uprising. Donc, nos ennemis, ils se font de plus en plus audacieux. En un an, ils se sont fait attaquer plusieurs fois à nous, aux quatre coins du globe. Ils ont des ressources, ils sont déterminés et ils ne suivent pas les mêmes règles que nous. Alors donc on a, évidemment, on va le voir après. Donc, locaux de Blackwatch, Rome. C'est d'ici que nous allons les faire tomber. Tout n'est pas encore prêt, mais nous avons recueilli de nombreux renseignements. Je t'avais bien dit que Gérard était le meilleur. Le commandant Reyes ne dit ça que par politesse, c'est parce que je l'ai sauvé au cap. Je n'étais pas au courant, dit Macri. Une autre fois, Macri, nos agents confirment que la griffe est derrière ces attaques. Oui, nous commençons tout juste à saisir l'ampleur de leurs opérations. Nous en avons appris de plus sur le responsable de l'attaque d'Oslo, Antonio. C'est un homme d'affaires influent et un membre haut placé de la griffe. Ses locaux à Venise sont la plaque tournante de ces trafics. Eh bien, c'est la porte à côté. Qui est partant pour un petit road trip? Il y a des connaissances en haut lieu. Si nous l'appréhendons, ses alliés au gouvernement le feront aussitôt libérer. Mais ses collaborateurs, c'est une autre histoire. Overwatch peut utiliser les renseignements que nous avons rassemblés pour les inculper. Les vannes vont se refermer et sans ressources, Antonio perdra bien vite ses amis haut placés. La griffe ne soupçonnera jamais ce que lui nous réservons. S'ils nous prennent pour cible sans se montrer, nous pouvons leur rendre l'appareil. Nous allons les forcer à s'exposer au grand jour. Je suis ravi qu'on fasse équipe. De même, je serai ici jusqu'à ce que nous soyons pleinement opérationnels. Ensuite, nous pourrons discuter de la prochaine étape avec le commandant Morrison. Bon alors, tu vas cracher sur le morceau? Sur le cap, où il faut que je soudoie Gérard avec une bière. Bon, il se marre. Il se marre, on entend bien sûr les bruits de la bombe. Et à ce moment-là, on comprend évidemment que Gérard a été gravement blessé. Selon le docteur Ziegler, Gérard n'aura aucune séquelle. Quartier général d'Overwatch, Suisse. Et eux alors, ils vont s'en tirer? On peut pas laisser passer ça, Jack. Bien sûr que non. Mais nous devons la jouer finement. Je veux ouvrir une enquête officielle sur Antonio, conjointement avec le gouvernement italien. Nous allons faire ça dans les règles. Suivre les règles, ça ne mène nulle part. On voit l'explosion évidemment qui s'est déroulée dans les locaux de Blackwatch. Antonio va s'en tirer, et Gérard le savait, et tu le sais aussi bien que moi. On doit riposter, on chope Antonio et qu'on le cuisine pendant quelques jours. Si Overwatch viole la souveraineté des nations et transgresse la loi, nous perdrons leur confiance. Mais la griffe y réfléchira deux fois avant de nous attaquer à nouveau. On ne peut pas se permettre que ce soit rendu public. Les amis d'Antonio au gouvernement ne voudront pas non plus que ça s'ébruite dans la presse. Ils savent que nous pourrions mettre ces petits trafics sous le feu des projecteurs. Si nous ne faisons rien, il va nous falloir beaucoup plus de drapeaux. Gab, je ne peux pas autoriser une telle opération officiellement. Pas officiellement, non. Personne n'aura à vendre la présence de Blackwatch. Est-ce que ça va vraiment aider Overwatch à protéger le monde ? Toujours partant pour cette petite virée? Je croyais que t'allais jamais me le demander. J'ai un petit cadeau pour Antonio.
Du calme, on lui garde une place pour le voyage du retour. On devrait leur envoyer un message plus fort. Ce n'est qu'un début, nous utiliserons ce qu'il sait pour frapper la griffe encore plus fort la prochaine fois. Fais-moi confiance. Il ne parlera pas. Oh que si parlera. Dès qu'il verra à qui il a affaire. Nos ennemis pensent pouvoir s'en tirer. Ils pensent qu'Overwatch est incapable de prendre des mesures radicales pour protéger le monde. Car nous suivons des règles que la griffe ne respecte même pas. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je ne suis plus les règles. Alors voilà, évidemment, la BD que je trouve... Bon, j'ai pas voulu faire... Genre, j'aurais pu faire le timbre de voix différent, mais bon, je voulais pas non plus. C'était principalement qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans cette bande dessinée. Il y a des plans absolument superbes. Ce plan-là, je le trouve absolument génial. Donc, bien entendu, ce qui est super intéressant, on va décrypter ces petites informations, c'est que l'histoire... est vachement importante et comme on le voit par les teintes de couleurs, ça se passe un an après Uprising. Il va falloir qu'on fasse un petit rappel avec les événements d'Uprising, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a on voit un petit peu le côté officiel de Blackwatch. Pendant très longtemps, on a entendu parler, on connaissait Blackwatch comme les services secrets, on va dire, d'Overwatch qui faisaient des opérations paramilitaires, mais c'était vraiment des missions, enfin c'était brumeux, on n'avait pas beaucoup d'informations. Là on voit vraiment quoi, là il y a des locaux pour la Black Watch, que ça se passe en Italie. Le choix du lieu d'ailleurs n'est pas choisi au hasard, évidemment, puisque je rappelle que les locaux, le quartier général d'Overwatch se passe en Suisse, la Suisse, le pays de la neutralité par excellence. Et du coup, Overwatch Suisse, on voit le côté neutre, le côté Jack Morrison, le côté soldat 76, enfin, pas soldat 76 justement, futur soldat 76, mais le côté Jack Morrison, la paix avant tout, on est là pour être les Nations Unies à moitié. C'est la paix. Contrairement à Gabriel Reyes, on voit avec Gérard Lacroix. Gérard Lacroix, hein, c'est jamais appelé Lacroix, mais c'est Gérard Lacroix. Donc, ami qui a... Auparavant, apparemment, on a les informations comme quoi Gérard Lacroix a servi dans les rangs d'Overwatch aux côtés de Gabriel Reyes et lui a sauvé la vie. Donc, on se dit que Gérard Lacroix est un militaire accompli. Sachant que, donc... très grand ami de Gabriel Reyes, et c'est tout simplement le mari de Fatal. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, c'était l'ex-mari de Fatal que Fatal a assassiné pour rejoindre la griffe notamment, et elle était l'agent dormant de la griffe. Et donc je vous rassure, ce n'est absolument pas Fatal, enfin je vous dis tout de suite, cette femme mystérieuse qui travaille pour la griffe, on n'a absolument aucune information concernant son identité, mais ce n'est pas du tout Fatal, hein, bien entendu. Gabriel Reyes, nouvelle information, c'est que vraiment, voilà, Gabriel Reyes, on pensait que c'était le grand patron de Blackwatch, et on se rend compte en fait que Blackwatch est dirigé par deux personnes, Gabriel Reyes, donc le futur faucheur, et à côté de ça, c'est donc, on le voit, Gérard Lacroix. Donc ça fait plaisir de voir Gérard Lacroix. On voit les tout nouveaux locaux de Blackwatch qui sont en pleine arrivée, on est en train de tout ouvrir, et c'est vachement intéressant parce qu'on pensait pas que... On savait bien sûr qu'il y avait des locaux pour Blackwatch, mais pas aussi officiels, on va dire. Là c'est vraiment le service secret, et en Italie, comme on le disait, l'Italie c'est pas par hasard. Bon, déjà Rome c'est une ville européenne, hein, bien entendu, Rome c'est important, mais locaux de Blackwatch à Rome, n'oublions pas que l'Italie pendant très longtemps a été le berceau de la mafia et de toutes les organisations criminelles internationales. Donc l'Italie, justement, en tant que pays pour contrer la menace criminelle et la menace internationale de mafia, etc. N'oublions pas que l'Italie a fait des progrès absolument dingues, a fait des luttes contre la criminalité et la mafia, avec notamment le GIS, il me semble, si je dis pas de bêtises, les forces spéciales italiennes, et à côté de ça les carabinieri, la police, enfin c'est même la gendarmerie italienne. On a voilà cette lutte anticriminelle qui est, enfin l'Italie est un pays fort de l'anticriminalité maintenant, et du coup l'Italie est quand même assez intéressant parce que le lieu aussi est vraiment important, parce que c'est d'un côté un lieu criminel, enfin c'est un pays qui a connu une énorme criminalité et qui a connu la répression criminelle. Et Gabriel Reyes, c'est toute cette... c'est vraiment, pour lui, parfait. On sait maintenant que Faucheur est dans la griffe, donc dans les organisations criminelles. Et l'Italie, bah, on sait qu'il peut y avoir la mafia, la corruption, etc. Et des mecs qui sont dans la police, qui sont détournés, etc. Donc il y a ces deux facettes un petit peu de Gabriel Reyes. Le choix de la location est clairement pas pris par hasard. Et ça fait plaisir, bien sûr, de voir tout ça. Au final, l'agent de la griffe, on ne connaît pas vraiment son identité, comme je le disais.
Au final, on voit justement que les locaux de Blackwatch vont être détruits et cette apparence à la fin. On voit vraiment que Morrison, donc Gabriel Morrison, le futur soldat 76, a les mains liées, il peut pas agir directement, puisque c'est un problème qui est d'actualité. Hein. C'est encore une fois, c'est de la science-fiction d'anticipation, Overwatch, contrairement à StarCraft qui est de la science-fiction space opéra. Au final, Overwatch, bah, c'est le même problème un petit peu que l'ONU, sauf que l'Overwatch serait le membre militaire, enfin l'organisation militaire des Nations Unies. C'est-à-dire que on ne peut pas violer l'autorité nationale. C'est-à-dire que oui, bah, ok, t'as un gouvernement, c'est une espèce de gouvernement international, mais il y a un moment donné où faut respecter certaines règles d'engagement et certaines, enfin tout simplement, on ne peut pas aller à l'encontre des décisions politiques de certains pays. Il faut l'autorisation du pays pour pouvoir intervenir. Donc c'est vraiment un gros problème. Parce que du coup, Morrison ne peut pas envoyer de troupes, il ne peut rien envoyer. Et on voit justement que ça se passe en Suisse et que Gabriel Reyes est lassé de ces histoires de voilà, on peut pas intervenir à cause des règles, etc. Et si Blackwatch est là, c'est justement pour contourner ces règles. Et il y a cette discussion entre Reyes et Morrison, et très souvent c'est Morrison qui sort gagnant de ce genre de discussion en mode non, on peut pas ne pas suivre les règles, etc. Et voilà, on viole la souveraineté des nations et transgresse la loi, nous perdrons la confiance. Quand tu connais l'histoire d'après où justement Overwatch finalement a perdu la confiance des pays, et c'est pour ça qu'Overwatch a été avec le Patrice Act qui a été finalement rendu criminel Overwatch, et toutes les activités d'Overwatch ont dû cesser. Bah, c'est intéressant parce que Morrison est déjà dans cette histoire, dans cette logique de attention, si on commence à transgresser les lois, on va perdre leur confiance, on va perdre l'opinion publique et on va être déclaré comme criminel. Et Gabriel Reyes dit justement ouais, mais il va falloir qu'on agisse parce que sinon bah on sert à rien et pourront agir en toute impunité. Et Morrison dit ok, mais faut pas que ce soit rendu public, et du coup il donne le feu vert à Reyes pour lancer cette opération paramilitaire. Petite anecdote, c'est que un an après, Blackwatch va être déjà sous les feux de la rampe, on va dire, va être sous contrôle complet des Nations Unies, et au final bah Morrison fera ce que Reyes a fait un an plus tôt, bien entendu. Donc je peux pas autoriser une telle opération officiellement, pas officiellement, et du coup personne n'aura vent de la présence de Blackwatch. Et à ce moment là Morrison dit ok, allez-y, il donne son accord. C'est un petit peu d'ailleurs qu'il ne dit mot consent, on voit aucun mot, on voit aucune autorisation tacite de Morrison, mais Gabriel Reyes a le feu vert bien entendu de Morrison pour cette opération. Et on va faire un petit rappel, c'est que sachant qu'on voit bien sûr les membres de Blackwatch, hein, Genji Shimada, notre cher Jesse McCree, et Moira évidemment, hein, l'un des derniers personnages d'Overwatch à être sorti. Encore une fois, ce plan est juste magnifique. Et on voit aussi le côté descente en enfer de Gabriel Reyes qui l'amènera petit à petit à devenir Reaper, et qui deviendra ce qu'il a toujours combattu. Au passage, donc la descente en enfer de Gabriel Reyes, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, ce qu'on sait, c'est justement que Blackwatch, c'est vraiment les services secrets officiels d'Overwatch. On voit que bah, y a des locaux, on voit qu'il y a des structures, on voit vraiment tout ce que j'évoquais. On voit aussi l'agent d'élite de Blackwatch. On n'a pas d'informations supplémentaires sur des nouveaux agents. C'est vrai que par exemple Genji, l'année dernière sur Uprising, on avait découvert qu'au final il avait fait partie de Blackwatch, on n'avait aucune information sur d'autres personnes. Macri, ça on le savait depuis le début, Gabriel Reyes aussi, Moira, ils l'ont juste incorporé, mais on savait déjà que Moira faisait partie de Blackwatch, on avait vu les icônes, puis dans son propre origin story, on avait vu justement qu'elle était chez Blackwatch, donc il n'y a pas de plus d'informations là-dessus qui a été mise. Donc pas de nouveaux personnages pour Blackwatch. Ça pose des gros soucis parce que c'est que t'as plein de personnages dans l'univers d'Overwatch, et au final Blackwatch c'est un peu les gentils qui salissent les mains, et on n'a pas tant de personnes de présentes. Donc on verra peut-être plus tard des nouvelles, peut-être Gérard Lacroix, hein, sait-on jamais, même si Gérard Lacroix, je rappelle, a été assassiné par Fatal. Gérard Lacroix justement qui on a toujours su que c'était un officiel d'Overwatch qui avait combattu la griffe, mais on se pensait pas que c'était à ce point-là et qu'il était du coup le grand patron de Blackwatch aux côtés de Gabriel Reyes. Donc vraiment, ce personnage qui a toujours été présent dans le, on va dire, la documentation un peu plus cachée d'Overwatch, c'est vraiment quelque chose de très fort, où on voit maintenant qu'en fait, bah, Gérard Lacroix, c'est une personne très importante dans l'univers d'Overwatch.
peut-être qu'on verra un peu plus comment justement il a été assassiné par Amélie Lacroix, qui deviendra fatale. Et la présence bien sûr du grand méchant de l'histoire, en l'occurrence Antonio Bartalotti d'ailleurs, pardon. Je trouve que c'était moins chantant d'ailleurs que la première chose que j'ai dit. Mais du coup c'est Bartalotti qui va finalement être tué, hein, désolé de spoil, mais tué pendant la mission que vous allez pouvoir jouer dans Overwatch. Justement, il va être tué à la fin. Finalement, Reyes le voulait vivant pour avoir plus d'informations sur comment la griffe. En fait, il voulait le capturer et ensuite l'interroger, le torturer, bien entendu, pour avoir plus d'informations concernant les agissements de la griffe et avoir plus de détails pour mieux les contrer, évidemment. Au final, ça va pas se passer comme ça et il va être tué. Donc, c'était un membre important de la griffe. Mais on n'en saura pas plus que ça. Donc il faudra qu'on revienne sur un passage qui est très important. C'est Uprising. Je rappelle, on va refaire un petit point sur Uprising qui s'est passé un an avant. Je vous rappelle les agissements qui ont été faits à Londres avec la crise. Ça, j'en parlerai dans l'histoire de Tracer. On en parlera un peu plus dans l'histoire de Tracer avec justement les agissements, la première mission de Tracer chez elle en Angleterre. À Londres notamment, avec les événements du secteur 0. Et en l'occurrence, bah voilà, on voit que Gabriel Reyes a plus d'informations grâce à Macri, donc un membre de Blackwatch, qui évoque justement, voilà, il est sur place et il dit voilà, il y a tout ça. En fait, il fait une espèce, il est là en tant qu'éclaireur et il balance un petit peu toutes les informations concernant ce qui se passe à Londres. Et là, je rappelle que voilà, on voit Gabriel Reyes et Anna Marie qui ont une discussion. Macri qui dit voilà, je vous rappelle plus tard, ça commence à chauffer. Il a donné toutes les informations concernant ce qui se passe à Londres. Et à ce moment-là, il y a Anna en tant que bras droit, bien sûr, d'Overwatch, qui dit Gabriel, qu'est-ce que Macri fiche à Londres? Et à ce moment-là, Gabriel Reyes dit il mène son enquête sur le terrain, apparemment, il est peut-être en vacances. Alors que justement, on le rappelle, c'est ce que je veux savoir, Gabriel, c'est ce que fait Macri dans une ville où Overwatch n'est pas censé opérer alors qu'il est suspendu comme le reste de Blackwatch. Je vous rappelle que là, on est vraiment dans les agissements de Blackwatch, mission officieuse, parce qu'il n'y a pas de mission officielle, mais c'est une mission officielle de Blackwatch, mais comme toutes les missions sont officieuses pour Blackwatch, c'est quelque chose d'important, mais il avait été envoyé par Morrison. Là, en l'occurrence, Gabriel Reyes envoie des agents sans aucun accord de Morrison ou d'Anna Amari, puisqu'ils sont tous suspendus, car Blackwatch a été suspendu donc un an après, à cause des agissements de Blackwatch. On y reviendra juste après. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Tu as d'autres agents en vadrouille, rien qui vous concerne. Donc Reyes qui fait ses petites opérations. Et cette fois, on a vu que un an avant, ils parlaient ensemble justement des opérations. Là, on commence à voir cette cassure aussi, hein, qui existe entre Reyes entre Blackwatch et Overwatch. Donc, c'est intéressant aussi puisqu'il évoque, bon ça on s'en fout, on y reviendra, mais Reyes explique aussi voilà, qu'il comprend pourquoi les Omniacs de Londres se sont rebellés et finalement quand il apprend le Premier ministre comme sur ses positions, n'avons toujours pas le droit d'agir en Angleterre. C'est exactement la même situation un an auparavant avec les attentats d'Oslo, puisque je rappelle que la mission là, qui va se passer avec l'attentat de Rome, puisque je vous rappelle que pour Retribution ça se passe à Rome, hein, dans les locaux de Blackwatch. Quelques mois auparavant, il y avait eu un attentat à Oslo. Et du coup, c'était justement Antonio le responsable de ces attentats à Oslo. Donc deux attentats, un à Oslo, un à Rome. Et à ce moment-là, bah, Morrison autorise Blackwatch à intervenir. Et là, c'est exactement la même situation. Le Premier ministre britannique refuse l'aide d'Overwatch sur le terrain. Il dit qu'il va gérer ça de son côté. Et à ce moment-là, bah, voilà, Anna qui s'énerve et qui dit bon, bah, c'est vraiment saoulant qu'on ne puisse pas intervenir. Et du coup Reyes s'amuse, il fait, parce que maintenant il commence à s'amuser, il a tellement eu ce genre de cas de figure où il avait les mains liées, il pouvait pas intervenir directement, donc là il rigole, il faut croire que nos amis britanniques ont la situation en main, voilà, en mode, ah bah voilà, hein, toujours si on respecte ses règles, hein, ces bandes de chacals, il n'y a pas de problème, donc il s'en va. Donc monsieur le directeur Petras, ça c'est le Petras Act. Je rappelle que le directeur Petras donc des Nations Unies, c'est celui qui fermera Overwatch finalement. Et qui a Overwatch dans le viseur pour toutes les opérations clandestines. C'est lui justement qui est en enquête sur Blackwatch et qui a suspendu Blackwatch jusqu'à nouvel ordre. Donc là, évidemment, Morrison qui dit « Ouais, tu penses qu'on devrait intervenir, je n'ai pas dit ça, mais ça devrait être à nous de décider, enfin ça devrait être à toi d'en décider. »
Et finalement, Overwatch n'est pas très bien vu ces derniers temps. Je doute qu'on puisse se permettre une nouvelle crise médiatique. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment évoquer parce que on est dans une situation en fait où Blackwatch, déjà dans Retribution, donc un an avant, Retribution considère que il a peur justement de l'opinion publique. Morrison a très peur de l'opinion publique et ce qu'il pourrait penser d'Overwatch s'il y a des opérations clandestines qui se passent. Et là, on voit un an après, ça y est, Overwatch commence à être dans le viseur de l'opinion publique. Je rappelle que ça finira par la fermeture d'Overwatch hein, à cause des scandales notamment dont Blackwatch est responsable. Et ça va être très intéressant parce que je vais descendre un petit peu et on va voir une mission qui est super importante. Puisque voilà, quand Morrison se pose dans son bureau, on voit quoi? On voit les informations. Blackwatch under scrutiny after complaint from Japanese government. Overwatch officiel murdered, Director Petras order full investigation into Kero an incident. Donc Overwatch anti-programme. Donc on est dans une situation où Blackwatch est en gros sous surveillance après des plaintes du gouvernement japonais. Overwatch officiellement, il y a eu des meurtres officiels. Overwatch a officiellement tué. Donc officiellement. Ouais, a été officiellement meurtrier, hein, tout simplement. Et le donc directeur Petras a ordonné des investigations concernant l'incident du Caire. Donc là, on voit deux situations. Sachant qu'il y a sur la carte, on voit différents endroits où sont intervenus probablement Blackwatch. Donc ça, c'est super important. Puisque il y a donc des missions qui sont passées au Japon. Donc on imagine des missions au Japon pour contrer le clan Shimada. Et probablement le clan Shimada. Ou des interventions de la griffe, mais normalement au Japon c'est plutôt le clan Shimada. On a des opérations donc à peu près au Nigeria, donc à l'endroit où se trouve bien entendu le Doomfist évidemment, un membre de la griffe. Alors, je parle du deuxième Doomfist, on y reviendra un peu après. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis, donc ça semble être Seattle par là. Donc voilà des opérations criminelles et notamment le Caire en Afrique. Donc le Caire en Égypte où il y a eu aussi un problème. Donc peut-être que plus tard dans Overwatch Archives, peut-être que l'année prochaine on aura un événement au Caire et qui se passera 6 mois après Uprising et 6 mois avant 6 mois avant Uprising et 6 mois après Retribution. Peut-être des agissements au Caire, peut-être au Japon aussi avec ces soucis là. Donc c'est vachement intéressant parce que c'est vachement intéressant de voir ça. On a vraiment les échos un petit peu des problèmes qui a occupé Blackwatch, on va dire, sachant que justement au niveau des skins, au niveau des différents skins, comme vous le voyez, je voulais en parler un petit peu davantage, mais on a du coup le soldat 24, soldat 76 contre soldat 24. Soldat 24, c'est tout simplement évidemment Gabriel Reyes, son nom de code quand il était super soldat dans les événements d'Overwatch contre les Omniacs. Donc Moira en Blackwatch, bien entendu. Moira participa à quelques opérations clandestines parmi lesquelles le fameux épisode vénitien, donc aux côtés bien sûr de Gabriel Reyes. Alors là c'est super intéressant puisque Akande Ogundimu, le Doomfist, le troisième Doomfist que l'on voit avec son skin de la griffe, ça c'est super important d'un point de vue lore hein, sur les nouveaux skins, puisque là en l'occurrence Akande n'a pas le Doomfist puisqu'il n'a pas encore tué son maître, le second Doomfist, je le rappelle. Et du coup il a déjà en fait une espèce de bras super fort et on voit qu'il a encore ses cheveux d'ailleurs, il ne s'est pas rasé complètement, mais c'est super intéressant. Doomfist a gravé les échelons de la griffe après avoir tué son mentor Akinjide Adeyami, fléau de Numbani, donc le deuxième Doomfist. Donc ça c'est intéressant parce qu'il porte pas encore véritablement le vrai, ça n'a pas l'air d'être le vrai Doomfist. Donc il y a deux échos puisque c'est marqué voilà, a gravi les échelons de la griffe après avoir tué son mentor. On sait déjà qu'il avait, je vous rappelle, je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros sur Doomfist. On sait déjà qu'il avait monté les échelons petit à petit de la hiérarchie de la griffe. Alors est-ce que justement là c'est le Doomfist qu'on connaît? Ou est-ce que c'est un tout petit peu avant d'avoir tué son mentor? La question est ouverte. C'est vrai que c'est marqué que justement c'est après avoir tué son mentor, mais c'est pas le Doomfist doré qu'on connaît. Donc on sait pas trop. Est-ce que c'est avant de l'avoir tué et il avait déjà du coup un bras amélioré parce qu'on sait qu'il avait fait des recherches etc pour augmenter son corps? Ou alors est-ce que c'est après avoir tué son maître? Là-dessus j'ai vrai que je n'ai pas... Je pense que les deux points de vue sont possibles. On a son bras qui était déjà, donc ça c'est super intéressant, c'est que son bras avait déjà fait partie de la griffe. Elle a un skin donc de la griffe qui montre que justement
Olivia Colomar avait déjà, au final, intégré la griffe avant son apparence de sombra aux côtés de Gabriel Reyes, donc aux côtés de Faucheur et de Fatal. On voit Hanzo avec le skin héritier, donc le skin de mafieux. Ça y est, enfin un skin de mafieux, enfin un skin de Yakuza pour Hanzo, le grand patron, bien sûr, du clan Shimada. Au passage, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo d'Histoire d'un héros sur Hanzo, sachant que voilà, c'est un skin un petit peu ancien, mais c'est pas de l'époque de Retribution, puisque Genji a déjà rejoint Blackwatch. Ça veut dire que Hanzo normalement est déjà un Ronin, il a déjà quitté le clan Shimada, mais c'est un ancien skin. Pareil pour Winston, puisque Winston là c'est normalement une tenue un peu similaire à ce qu'il avait sur la Lune. Or à ce moment-là, il fait partie d'Overwatch. Il fait déjà partie d'Overwatch. Lucio, ça c'est intéressant, un skin peut-être avant d'avoir volé les armes justement au Brésil. Donc, bon, je sais pas trop si c'est juste après les avoir récupérés ou pas du tout, sachant qu'il s'appelle l'égaliseur. Peut-être que c'est juste après avoir volé justement le matériel. Je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros de Lucio aussi. Et Mei, bon bah ça c'est sa tenue tout simplement qu'elle a en Antarctique. Voilà, de l'écolave Antarctique, mais il fut plongé en stase pendant près de 10 ans. Donc c'est l'apparence qu'elle avait quand elle était en stase pour s'endormir. Donc voilà, ça c'est les apparences bien entendu. Donc les nouveaux skins. Il y a des skins très sympathiques d'ailleurs. Hein, mais en attendant, c'est vrai que je suis super content. Cette BD est vraiment cool. L'arrivée de l'or concernant Blackwatch, ça fait super plaisir. Maintenant j'ai un petit point noir à soulever, c'est que... Depuis la sortie de Moira, on avait la dernière BD, c'était vachement intéressant, c'était Zarya en Amérique du Sud face à Sombra, etc. Enfin, au Mexique, pardon, face à Sombra, donc en Amérique du Nord. Mais c'est vrai qu'on a cette situation en mode, ça fait deux personnages qui sont sortis sur Overwatch et toujours pas de bande dessinée. Donc le lore est pas au point mort, mais... avance sûrement, mais très lentement, trop lentement à mon goût. On n'a pas eu d'avancée quasiment depuis 6 mois, quoi. C'est un peu dommage. Après là, on a une très belle avancée, mais c'est presque normal parce que c'est normalement un petit peu le point d'orgue de l'histoire d'Overwatch, puisque c'est les événements archives. C'est les événements où on redécouvre le passé d'Overwatch. Donc, il y en a un par an. Ça fait un petit peu maigre comme chose, mais c'est super intéressant. On a vraiment des... Surtout, la BD est super belle. Hein. Vraiment, ce plan, encore une fois, je le trouve magnifique. On voit Morrison dans la lumière et on voit la descente vers les enfers. Moi, ça me rappelle un petit peu les événements de Star Wars avec la descente aux enfers d'Anakin. C'est un peu les mêmes plans qu'on a ici, je trouve, avec Gabriel Reyes qui deviendra Faucheur. J'en profite pour faire un lien vers une autre vidéo que j'ai pu faire, celle des 2 ans d'Overwatch, puisque les 2 ans d'Overwatch... ou même l'anniversaire d'Overwatch, tout simplement, la vidéo d'anniversaire d'Overwatch, puisque sur l'année de l'anniversaire d'Overwatch, j'avais parlé un petit peu d'une situation, d'une théorie que j'avais concernant Gabriel Reyes, qui est qu'il a peut-être voulu détruire la griffe de l'intérieur quand il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, de les battre de l'extérieur. Il a peut-être voulu justement les infiltrer. C'est exactement une situation qui existe aussi dans la police italienne, dans la police anti-mafieuse, d'infiltrer l'organisation criminelle pour mieux la détruire de l'intérieur. Donc c'est déjà une théorie que j'avais évoquée, et cette BD renforce un petit peu ma manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'il s'est infiltré au sein de la griffe peut-être pour justement la détruire de l'intérieur. Après, ça n'empêche pas qu'il a tué des officiels d'Overwatch, mais on sait que Gabriel Reyes a... mal tourné. Est-ce que c'est vraiment il a mal tourné, il est devenu ce qu'il a juré de combattre, ou alors au contraire, est-ce que ce serait pas plutôt une mission d'infiltration et qu'en fait, bah, il est toujours dans son cœur, il est toujours membre d'Overwatch, mais qui combat la griffe de l'intérieur. Ça, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette théorie que j'avais déjà faite? Je vous laisse aller voir si vous voulez plus de détails concernant la théorie. Je vous mettrai la vidéo en lien et je vous la mettrai probablement en haut d'afficher aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la bande dessinée. Moi personnellement, je la trouve superbe. Un point lore comme ça sur Overwatch aussi, c'est plus des... Je peux pas vous faire... Je fais des points normalement un an après, en fait, les points d'anniversaire. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous trouvez que c'est bien que, justement, on parle un petit peu de cette avancée de l'or? Est-ce que vous trouvez que non, vaut mieux en faire une fois par an? Sachant que je suis sûr que beaucoup vont me demander de faire une histoire d'un héros sur Gabriel Reyes. Ça arrivera plus tard, je pense, quand on aura beaucoup plus d'informations sur ce genre de personnage qui est ultra important dans l'univers d'Overwatch. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des observations, etc., à les
mettre en commentaire, même des retours hein, concernant la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, bien entendu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager autour de vous pour des personnes qui aimeraient l'histoire d'Overwatch, bien entendu, ou qui aimeraient découvrir l'histoire d'Overwatch, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. We'll be right back.